Bienvenue dans ce 7 minutes spécial élections locales. À Danané, le candidat RHDP se dit confiant pour les élections municipales. À Waninou, le colonel Chérif Moussa, candidat aux élections, a partagé ses ambitions à la population. Et dans le Worodougou, pour les régionales, le candidat Abdoulaye Meïté a rencontré ses partisans. Il est candidat à sa propre succession. Dr Ouattara Lassina est le choix du parti au pouvoir pour les élections municipales à Danané. Dans cette édition, nous avons rencontré un candidat qui dit être confiant quant à sa réélection. Nous, de notre côté, nous avançons méthodiquement et stratégiquement. Voilà, ce qui fait qu'on ne fait pas tout en même temps. Mais il est clair que nos méthodes sont étudiées et c'est un schéma qui est bien suivi. Voilà, je préfère m'arrêter là pour ne pas dévoiler nos secrets. Il faut noter que pour cette élection, le maire sortant est face à 5 candidats, dont une femme. Toujours à Danané, à la course au fauteuil municipal, 6 candidats sont sur la piste. Nicole Dion, la seule femme, est tête de liste de la nouvelle ère. Elle a procédé au lancement de sa campagne le samedi 26 août dernier à l'école primaire publique de La Pleu. Pour elle, place doit être faite aux femmes pour voir leurs capacités. Ma candidature surprend plus d'un, mais étant, comme je l'ai dit, fille de Danané, j'ai constaté beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'anomalies. Et j'ai décidé de venir apporter ma pierre à l'édifice, montrer mon savoir-faire, mon équipe et moi. L'équipe que je dirige, la nouvelle ère pour Danané, regorge de beaucoup de compétences. Après le meeting, l'équipe s'est rendue à Sogaleu, où la finale d'un tournoi doté du trophée Nicole Dion se tenait. La campagne pour le contrôle des communes et des régions bat son plein. Lors de notre passage dans le Bafing, précisément dans la circonscription électorale de Waninou, nous avons rencontré le colonel Moussa Chérif. Cet ancien militaire à la retraite compte mettre son vécu à la disposition de la population. Je suis candidat indépendant, tête de la liste CEV, une commune, une équipe, une vision. Je précise que je suis vraiment indépendant au sens noble du terme. Je n'ai milité au sein d'aucun parti. Et donc quand je dis que je suis indépendant, je suis vraiment indépendant. Je ne suis pas dissident d'un parti quelconque donné. Nous avons accepté de nous porter candidat pour apporter notre petite expérience, expérience acquise au sein de l'armée nationale, au sein de laquelle j'ai passé 33 années de ma vie. Je pense que j'ai pu capitaliser une petite expérience que je vais mettre au service du développement de la commune de Waninou. Dans la course avec 4 candidats, Moussa Chérif a dépeint l'état de léthargie de Waninou. Il prend l'engagement d'apporter des solutions idoines. Et dans le Worodougou, c'est une grande mobilisation que le stade Losseni Soumaoro de Séguéla a connue. Dr Abdoulaye Meïté, candidat indépendant aux élections régionales, a fait le plein le samedi 26 août à l'ouverture de sa campagne. Son cortège transportant ses collaborateurs a sillonné toute la ville en fanfare. Arrivé au stade Losseni Soumaoro, l'ambiance était déjà à son comble. Le candidat a fait quelques recommandations à ses partisans. Chaque jeune, quand vous finissez de voter, vous êtes les propres policiers de votre voix. Restez sur place, partout dans la région, pour surveiller votre voix. Quand on finit le décompte, vous suivez les unes jusqu'à la cerise. Il a dénoncé le déficit d'infrastructures sanitaires et scolaires dans la région. Savez-vous qu'à l'hôpital de Kani, il n'y a pas d'échographie? Nos mamans attendent les échographes chaque mois qui quittent la Daloa. Est-ce que ça, c'est normal? Je leur donne avant la fin de cette campagne. S'ils n'ont pas donné l'échographe, je vais donner l'échographe à Kani. Abdoulaye Meïté a dénoncé également les subterfuges utilisés par ses adversaires pour l'empêcher d'effectuer librement sa campagne. Rappelons que les élections locales en Côte d'Ivoire se tiennent le samedi 2 septembre 2023. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci.